À Jérusalem, bon, ben, ils prennent pas les champs parce que ben, c'est normal, c'est une ville, quoi. Ben, là-bas, ben, vous savez, en France, vous connaissez le site internet pour les locations de maisons, là, seloger.com. Ben, là-bas, on a confisqué.com. Les enfants, vous êtes sûr que c'est chez nous? Bon. Excusez-nous, monsieur, mais c'est chez nous. Ah bon, c'est chez vous. Et depuis quand? Maintenant? Mais c'est qu'on a toujours habité ici. Depuis longtemps, ma famille et tout, c'était l'Empire Ottoman à l'époque. Une belle époque. Ah oui. Quoi? Vous avez réquisitionné parce qu'il n'y avait personne? Mais on est juste parti 10 minutes acheter du pain pita! Ça aussi, on vous donne le pain pita. Perdu pour perdu, hein. Très bien, on va y aller. Ma bonne chose. Une dernière chose. Il y a un proverbe chez nous qui dit: rira bien qui rira dernier. Allez, là, les enfants, on y va. Ah, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai pas pu prendre la machine à laver. Ben, tu la vas comme ta mère avec le savon d'Alep. Non, 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 pas Alep, c'est pas bon en ce moment. Prends le savon de Marseille. Oui, t'inquiète pas, c'est une ville arabe aussi. Bon, les enfants, avant, une dernière chose, on va aller prier à la mosquée d'Al-Aqsa. Parce qu'il faut pas oublier le bon Dieu. Quoi? Quoi? L'entrée est bloquée aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Obama qui vient ou quoi? Oh, c'est pas possible, ça. On va être obligé de prier dans la rue. On n'est pas en France ici, bordel. Ouais, c'est vrai que j'ai dit dans la ligne. C'est vrai qu'à Jérusalem se trouve la mosquée d'Al-Aqsa, ouais. Qui est sous occupation, ouais. Et là, il me semble, bah ouais, bah oui, bah, qu'on parle là du troisième le saint de l'islam, quoi. Hein. Tiens, d'ailleurs, bah, tiens, tu l'as acheté dernièrement à la presse, vous voyez un peu tous? Ouais. Tout le monde a vu? T'as pas vu? Bon, bah, donc, comme vous voyez, bon, il y a la mosquée d'Al-Aqsa, enfin, tout le site, enfin, ça, c'est la mosquée d'Homme du Rocher, enfin, pas dans les... Vous avez compris, quoi, ce qui symbolise la mosquée. Et devant, bah, il y a un drapeau israélien, quoi, donc, bon, hein, vous voyez où se trouve cette mosquée, hein. Ouais. Vous avez compris? T'as compris, monsieur? Mosquée, drapeau israélien. T'as compris où se trouve la mosquée? Je sais que c'est pas marrant. En plus, on parle pas là de la mosquée de Barbès entourée de prostituées et d'hyper-maïs et vendeurs de crack, enfin, hein.